Allez dire ça au Covenant. Zero Texas sur Mega CD fait partie sans aucun doute d'une nouvelle génération de jeux. En effet, un réalisateur de films d'action l'a en partie conçu. Le principe et l'histoire sont simples mais redoutablement efficaces. Des extraterrestres se sont déguisés en humains pour envahir la Terre. Votre mission est bien entendu de les en empêcher, en les éliminant lors de combats homériques. Vous tirez là où est le curseur. La jouabilité est assez particulière, mais vous jouez tout au paddle. Ground Zero Texas n'est peut-être pas totalement au point, mais la longueur et le niveau de difficulté le rendent très sympathique. Note Télévisateur 2, 85%. Voici pour commencer Terminator sur Mega CD. Les adaptations du film de James Cameron n'en finissent pas des années après d'arriver encore sur console. D'autre part, les versions de plateforme de ce film n'ont jamais révolutionné le genre. Cette version Mega CD est quant à elle très réussie visuellement, l'animation est excellente et la musique détonnante. Mais surtout, la jouabilité est au rendez-vous. Test complet dans quelques semaines. 1, 2, 3, nous n'irons plus au bois. Voici Sonic 3. C'est plus fort que toi. Ces satanés terriens sont décidément impossibles. Laissez-les 2 minutes sur une planète et les voilà qui saccagent tout et qui polluent à tour de bras. Une seule solution quand on est 2 extraterrestres au look étrange, certes, mais à l'esprit chevaleresque, ramasser tous les terriens qui ont envahi votre planète natale, les coller dans des bocaux et les renvoyer chez eux par le premier vaisseau spatial venu. Tel est le principe de Toe Jam and Earl in Panic on Funkotron de Sega sur Mega Drive, un jeu de plateforme délirant et saugrenu dans lequel vous allez incarner 2 extraterrestres rappeurs à travers 15 niveaux bourrés de passages secrets. Dans la plupart des niveaux, vous aurez droit en prime à 2 petites épreuves rigolotes qui pourront consister par exemple à répéter un rythme qu'un rappeur jouera devant vous. Il est possible de jouer à 2 simultanément et c'est en grande partie ce qui fait le charme du jeu. Les 2 héros ont un look incroyable servi par une animation hors du commun qui risque de vous faire mourir de rire. En plus, le jeu ne manque pas d'humour et les décors regorgent de bonus et dissimulent même parfois des humains qui se cachent pour échapper à votre terrible vengeance. Notre note pour ce jeu de plateforme remuant, agrémenté d'une musique funky du plus bel effet, 16 sur 20. Les gentils extraterrestres débarqués sur Terre comptent un nouveau membre, son nom Pugsy, et il atterrit chez nous sur Mega CD. Le principe de ce jeu de plateforme d'un style particulier peut paraître assez obscur au démarrage. Les différents niveaux sont parsemés d'objets divers que Pugsy doit collecter. De plus, il doit résoudre une petite énigme. Bref, Pugsy sur Mega CD allie le plaisir d'un jeu de plateforme classique à l'intelligence d'un jeu de réflexion. A noter l'excellente qualité de l'animation. Note Télévisateur 86%. Jusqu'à présent, la qualité de l'image des jeux sur Mega CD laissait quelque peu à désirer, mais Ground Zero Texas de Digital Pictures sur Mega CD pourrait bien changer les choses. Par rapport à des jeux comme Sewer Sharks, la définition de l'image et des couleurs a été grandement améliorée. Ground Zero Texas reprend à peu près le principe de Mad Dog McCree, mais l'action se déroule cette fois dans un futur proche et dans un cadre urbain. Vous dirigez à l'aide du joypad un curseur qui se déplace sur l'image et qui symbolise le viseur de votre arme. Ici, pas de pixels disgracieux ni de scrolling, le jeu est réalisé à partir d'images vidéo digitalisées et on a donc affaire à un véritable film interactif. I'm
Digital Picture, en plus, n'a pas lésiné sur les moyens et vous pourrez voir de véritables acteurs, plutôt bons pour la plupart, des décors réalistes et tout un tas de véhicules, de la simple camionnette à la Jeep militaire en passant carrément par une station orbitale. Notre note pour ce jeu qui donne enfin envie de s'offrir une Sega Mega CD, 18 sur 20. Tiens. Après les simulations de voitures, de motos et autres Solex, voici Skitchin, une simulation de patins à roulettes. Le but est simple, vous êtes opposé à une quinzaine de punks à roulettes et vous devez arriver le premier. Pour cela, il faudra vous accrocher aux voitures pour prendre de la vitesse et vous précipiter sur les autres concurrents et les faire tomber de la manière la plus simple, de grandes baffes dans la tête. Skitchin est un jeu original qui renouvelle quelque peu le genre, mais son intérêt ne dépasse pas vraiment le stade de la curiosité. Note Télévisateur 2, 65%. Landstalker est le nouveau jeu d'arcade aventure de la Mega Drive. A la manière de Zelda sur la console concurrente, il a toutes les chances de marquer l'année 1994. Grâce à ses graphismes magnifiques, à ses textes entièrement traduits en français, et aux nombreuses trouvailles qu'il propose, comme le fait d'aller chercher les objets pour faire ses achats, Landstalker va vous amuser et vous faire réfléchir de longues heures. Landstalker est un coup de cœur de la rédaction de Télévisateur 2, sa note 91%. Hyper Dunk est une nouvelle simulation de basketball sur Mega Drive. Ici, l'accent est mis sur les paniers acrobatiques, les dunks. Sinon, on est en face d'un jeu des plus classiques, vraiment trop classique même. Et comme en plus, la jouabilité est loin d'être à la hauteur, on peut considérer Hyper Dunk comme un faux pas dans la carrière de l'éditeur Konami, qui nous avait habitués à beaucoup mieux. Note Télévisateur 2, 47%. Hyper Dunk. Double Switch sur Mega CD est à la fois un jeu et un film mis en scène par Marie Lambert, la réalisatrice du film Cimetière. L'histoire et le but du jeu sont simplissimes. Des bandits attaquent un hôtel truffé de pièges. Il ne vous reste plus qu'à actionner des trappes pour les emprisonner. Test complet lors d'une prochaine émission. Un personnage clé dans le monde des jeux vidéo, c'est bien Prince of Persia, le prince de Perse. Ce jeu créé par un certain Jordan Mechner a eu l'honneur d'être adapté sur pratiquement toutes les machines, micro-ordinateurs ou consoles. Mais la Mega Drive manquait à l'appel, mis à part une adaptation décevante sur Mega CD. Voici donc une lacune enfin comblée avec une version qui n'a rien à envier aux précédentes. Jouabilité et qualité graphique sont au rendez-vous. La note 15 sur 20. Was missing an heir to the rock empire. The new arrival made their happiness complete. Chuck was a very proud father, for Junior is a chip off the old block after all. Cher Bamba, vous l'aurez compris, la famille de Chuck Rock s'agrandit et voici qu'apparaît Chuck Junior pour cette deuxième partie. Le scénario est très simple. Papa Chuck a fondé une fabrique d'automobiles en pierre, les Rockettes, et place son entreprise, la Chuck Motors, au premier rang mondial. Cela suscite évidemment des jalousies. Et un beau jour, Chuck est kidnappé par des bandits. C'est là qu'intervient ce garnement de Chucky, qui brise les barreaux de son berceau en bois et part à la recherche de son papa. Massieu au poing et pas plus haut que trois pommes, ce petit bonhomme assomme. Sur sa route, Baby Chuck va croiser des ennemis tous plus bizarres les uns que les autres. Pardon, Dinosaurus Rotteur, mais il est coriace le bambin et ils vont s'en prendre plein les dents. Les méchants ont beau se cacher dans des poubelles, se déguiser en plantes carnivores ou envoyer des singes, rien ne le décourage. Chuck Junior grimpe aux lianes, saute sur les branches et explose tout avec sa massue. Sans oublier de ramasser des biberons et des bonus bonbons. Dans Chuck Rock 2, ça va chauffer, mais pas de panique, on retrouve les tactiques de Chuck Rock 1. Les rochers qu'on déplace, les objets et même les animaux ou personnages qui vous aident à progresser ou à vous éclairer. Maniaque
Remarque qu'il s'agit d'un jeu de plateforme plus qu'il y a de plus classique, où l'action progresse horizontalement et verticalement dans un univers préhistorique. Mais vous connaissez la technique, la maniabilité est bonne et les déplacements fluides. Il faudra grimper toujours plus haut si vous voulez sauver votre peau. Et avant de reprendre une revanche, n'oubliez pas de changer vos langes. Caca! Caca! Après avoir éliminé certains boss sans hésitation, on vous octroie une petite récréation sous forme d'épreuve contre la montre. Ici, il vous faudra tailler dans la pierre avec dextérité. Humour, beauté et jouabilité sont les trois mots-clés de Chuck Rock 2 sur Mega CD. Malheureusement, le CD souffre de n'être qu'une simple conversion de la cartouche, sans vraiment nous mettre l'eau à la bouche, car quelle que soit la qualité de ce jeu très animé, les capacités du compact sont trop peu exploitées. Finalement, et pour avoir le dernier mot, on en est encore à la préhistoire des jeux vidéo. Castlevania sur Mega Drive, un jeu de Konami, est une adaptation d'une cartouche mythique réservée jusqu'ici aux possesseurs de consoles Nintendo. Le jeu vous met dans la peau de John Morris et de Eric Lecard avec un objectif, éliminer Dracula en personne. Les graphismes ne sont pas excellents et paraissent même datés par rapport aux prouesses techniques de certains hits récents. Mais le jeu reste néanmoins très accrocheur et surtout très difficile. Vous avez devant vous des heures de combat. Bravo pour les techniques d'animation assez particulières, telles que le double plan dans le dernier niveau, ou encore les boss qui sont particulièrement impressionnants dans leur déplacement. Castlevania persiste et signe, c'est un très bon jeu de plateforme qui mérite amplement sa place parmi les meilleurs, aux côtés de Sonic 3. Notre note, 17 sur 20. Si vous êtes fidèle à Télévisator 2, vous connaissez peut-être Ren & Stimpy, un jeu de plateforme que nous avions déjà testé dans sa version Super NES. Le voici aujourd'hui sur Mega Drive. Mais attention, même si nous retrouvons ici nos deux chiens crétins, il ne s'agit absolument pas du même jeu. Nous sommes ici en présence d'une petite perle d'originalité, de jouabilité et surtout d'un univers complètement délirant. Bourré de surprises, il y a notre Télévisator 2 pour Ren & Stimpy sur Mega Drive, 17 sur 20. Pauvre Normie, impossible de draguer en paix. Au moment où, tel Michel Blanc dans Les Bronzés, il allait conclure avec la femme de sa vie, une soucoupe volante surgit d'on ne sait où et lui embarque sa dulcinée. Bon sang de bonsoir, se dit-il, ça ne va pas se passer comme ça. Et le voilà entraîné par les programmeurs d'Electronic Arts dans une aventure qui le ramène à l'âge de pierre, à une époque où même l'Atari 2600 n'existait pas, bref, la zone. Heureusement, Normie a emporté avec lui son coup de poing portatif, ce qui lui permet de pulvériser les dinosaures avec une décontraction et un flegme inoxydable. C'est vrai aussi que les dinosaures n'ont pas l'air trop méchants. L'atmosphère est plus proche de celle d'un dessin animé que de celle de Jurassic Park. Les monstres ont des bouilles à pleurer de rire. Quant aux couleurs des décors, jugez par vous-même. Les capacités de la Mega Drive sont bien utilisées sans plus, Normie répond au doigt et au paddle et on finit par s'attacher à ce petit personnage un peu perdu au milieu de ces dinosaures. Cela dit, il manque à Normie ce petit quelque chose qui fait d'un jeu de plateforme un hit. Seuls les vrais mordus de ce type de cartouche, les affamés de nouveautés qui finissent leur jeu en quelques heures, pourront vouloir l'acquérir. Pour les autres, sur Mega Drive, il y a mieux. Notre note, 14 sur 20. C'est Arrakis, connu aussi sous le nom de... Vous avez aimé le film Dune ? Tant mieux. Vous allez apprécier son adaptation sur Mega CD. Dans ce jeu d'aventure, réalisé en français pour votre plus grand plaisir, vous incarnez le héros Paul Atreides. Et votre but est de vous allier aux Fremen, les habitants de la planète où vous vous êtes réfugié. Vous allez évoluer dans un scénario plutôt intéressant. Les graphismes sont envoûtants. Bref, vous allez être passionné. La note Télévisateur 2, 17 sur 20. Vous poserez des questions sur mon destin. Et on commence les previews avec Streets of Rage 3, annoncé sur Mega Drive.
Surprise, ce troisième épisode semble apporter de nombreuses nouveautés à cette série qui ne se prend pas au sérieux. Test complet, très bientôt dans Télévisateur 2. Dracula en version méga CD est lui aussi annoncé. C'est très beau et l'histoire a l'air passionnante. Mais il y a un petit problème, car tous les dialogues et textes sont en anglais. Même si vous pourrez ainsi travailler vos langues vivantes, une version française aurait été plus appropriée, non ? Los Angeles 2029, les robots ont pris le pouvoir et mènent une guerre sans merci aux quelques rebelles qui tentent de survivre dans ce chaos. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est l'introduction de Terminator, le film, mais aussi du jeu sur Mega CD. Mais attention, cela n'a rien à voir avec le jeu précédemment sorti sur Mega Drive. Ce jeu de plateforme éminemment Destroy dispose d'une très bonne jouabilité, de graphisme et d'une animation de bonne qualité. La note Télévisateur 2, 13 sur 20. Coucou, le prince de Perse est de retour sur Mega Drive cette fois dans une adaptation signée Domark. Je résume l'histoire pour les deux du fond là-bas qui se cachent derrière le radiateur. Votre princesse chérie s'est faite enlever, non pas possible, par un vizir invisible au désir bizarre. Et vous allez vous retrouver aux prises avec les sbires du vizir invisible au désir bizarre dans des labyrinthes sans visibilité. Bizarre, bizarre. Les animations sont toujours aussi fluides et réalistes que dans la version originale, signée, est-il besoin de le rappeler, Jordan Mechner. La qualité des graphismes a été, elle, améliorée. De nombreux détails, squelettes, anneaux et chaînes rivés dans les murs sont apparus, qui renforcent l'impression d'angoisse qui vous saisit lorsque vous vous retrouvez plongé dans ce labyrinthe. La cartographie des niveaux est, elle aussi, fidèle à l'original. Méfiez-vous toujours autant des dalles fissurées, des herses qui tombent toutes seules ou des pics qui jaillissent du sol. Dommage que les musiques n'aient pas été retravaillées davantage. Dommage également que les bruitages soient si rares. Cela dit, si pour les vétérans du jeu vidéo, le jeu commence un peu à donner une impression de déjà-vu, il reste une valeur sûre. Cette version, à égalité avec la version Super Nintendo, est une des meilleures jamais réalisées. Notre note, 18 sur 20. Welcome, gamesters, to Chuck Rock 2, Son of Chuck. You'll remember that in our last exciting adventure, Chuck Rock defeated the evil Gary Gritter and his despicable dinosaur. Utilizing his newfound skills, Chuck invented the very first automobile. And in no time at all, had built a brand new factory and was in full production of the Rockette Road Machine. Business was booming, and the money soon began to roll in. Everyone wanted to own a Rockette car. Life was almost perfect for Chuck and his beautiful wife, Ophelia. Only one thing was missing, an heir to the Rock Empire. The new arrival made their happiness complete. Chuck was a very proud father, and his son was a real chip off the old block. But life didn't remain perfect for long. Trouble was on the horizon, in the shape of the heartless Brick Jagger, the owner of a new rival car plant. Unfortunately for Brick, he didn't have Chuck's skill and expertise. Despite this, he was determined to be rich. He decided that if he couldn't make his fortune by fair means, he'd make them by foul. And ordered his henchmen to kidnap Chuck.
Blissfully unaware of her husband's predicament, Ophelia received the ransom demand. She was understandably upset. But all is not lost, for Junior is a chip off the old block after all. And so, with the words goo goo gaga, which means I'll be back with my dad, Chuck Jr. sets off to rescue his father from the clutches of the despicable Brick Jagger in Chuck Rock 2, Son of Chuck. De la nature et les animaux en liberté, voici les aventures zoologiques de Ren and Stimpy sur Mega Drive. Ren and Stimpy sont les héros d'une série animée diffusée pour la première fois en 1992 sur une chaîne de télévision américaine. Et à titre d'info, nos amis passent actuellement sur BBC Two. Avec ce duo irrésistible, c'est l'absurdité, le souffle et les excès des persos de Tex Avery qui ressuscitent tout en couleur. Pour ceux qui n'ont pas froid, sachez que Ren est le chihuahua et Stimpy le grand chat dodu, pétomane. Un chien deux fois plus petit qu'un chat. Tiens, tiens, très étrange. Comme le dirait mon psychiatre, ces deux anti-héros entretiennent une relation basée sur le désespoir, le chantage émotionnel et une dépendance réciproque. Comme quoi, on a toujours besoin d'un plus petit que soi pour réaliser de grandes choses. Pour exorciser les cancers de notre époque, les histoires sont violentes, diluées dans le sang, polluées de paix, salies de vomi et de rots bruyants. À chacun son humour, mais Maniac constate qu'ici, les blagues sont traitées sous la ceinture et les flatulences ne sont pas d'une grande élégance. Cette cartouche de 8 mégas renferme précieusement un jeu de plateforme et de réflexion rehaussé de temps à autre par une petite course ou une baston. Autant vous dire que vous êtes aux commandes d'un dessin animé dans toute sa dérision. Gare aux collisions dans cette inclinaison. Les inséparables n'ont pas fini de se casser la tête. Tous les moyens sont bons et rien ne les arrête. Sachez qu'il est possible de jouer à deux et de se servir de l'autre comme d'un accessoire. Mais, si on joue seul, les deux collègues apparaissent à l'écran et vous les utilisez simultanément. Sur ce ring endiablé, chaque personnage possède défauts et qualités. L'association des deux crée des possibilités truffées de particularités. Autant vous dire qu'ici, on achève les niveaux les doigts dans le nez. Après ce petit coup de pouce, ouvrez bien les yeux et tendez l'oreille. La conclusion de Maniac sera sans appel. Les nuances graphiques sont de plus en plus belles. Cette cartouche est une petite merveille. La digitalisation des sons est proche de la perfection et les pros du jeu adoleront cette version. Ren and Stimpy ne manque pas de souffle, encore une bougie de plus pour ce fameux couple. Les amis de mes amis sont mes amis, ok. Ren and Stimpy prennent le micro et font du karaoké, ok. À vous de les faire danser, valser, tourner, swinguer, jazzer, rocker, sauter, swinguer. Virtua Racing sort sur Mega Drive. Cette cartouche est munie d'un coprocesseur, une petite puce qui permet au jeu d'avoir des graphismes en 3D et une vitesse suffisamment rapide pour rendre cette course de Formule 1 assez réaliste. Notons que vous pourrez jouer tout seul ou à deux joueurs. La sortie est prévue au mois de juin. No one passes through our world. A l'origine, Shadow of the Beast 2 était un jeu sorti sur micro-ordinateur. Le voici aujourd'hui sur Mega CD avec plein de petites améliorations telles que des animations vidéo ou des voix enregistrées. Nous sommes en présence d'un jeu de plateforme dans un univers médiéval fantastique. Même si l'environnement visuel et sonore est assez réussi, il pâtit tout de même d'un certain manque de jouabilité. La note pour Shadow of the Beast 2 sur Mega CD, 11 sur 20.
Cosmic Spacehead, c'est le nom de ce nouveau jeu vidéo sur Mega Drive. C'est aussi le nom de son héros, qui est un petit bonhomme venu des étoiles. Mi-jeu de plateforme, mi-jeu d'aventure, Cosmic Spacehead est plutôt à conseiller aux plus jeunes, alors qu'un joueur expérimenté n'y trouvera peut-être pas sa ration de difficulté. Quant au graphisme, ils sont assez réussis. La note Télévisator 2, 12 sur 20. Charles Barkley est la nouvelle star montante du basketball américain. Il était donc normal de voir arriver un jeu à son effigie. C'est chose faite avec Barkley Shut Up and Jam sur Mega Drive. Comme dans NBA Jam, vous jouez ici des matchs à 2 contre 2, mais sur des terrains dans les rues de Los Angeles ou de New York. Même s'il ne représente pas un sommet du genre, ce jeu dispose d'un concept intéressant et d'une jouabilité correcte. La note, 13 sur 20. Flink, toujours sur Mega Drive, semble s'annoncer comme un futur événement de cette console. En effet, comme vous pouvez le voir, ce jeu de plateforme style Heroic Fantasy possède de somptueux graphismes en 256 couleurs. Rappelez-vous que précédemment, tout le monde pensait qu'on pouvait en mettre que 64 au maximum sur Mega Drive. Rassurez-vous, la querelle d'experts n'aura pas lieu car c'est la jouabilité et l'intérêt qui fera de Flink un grand jeu. Nous vous les avions déjà présentés, ils s'appellent Booba et Styx, et après l'Amiga CD32, ils évoluent maintenant sur Mega Drive. Il s'agit exactement du même jeu. Styx est un petit extraterrestre en forme de bâton qui sert à son copain humain Booba à résoudre les énigmes qui font obstacle à leur progression. Vous l'avez compris, c'est un jeu de plateforme d'un type tout à fait original, et particulièrement drôle. La jouabilité est correcte une fois les commandes bien en main. La note pour Booba et Styx sur Mega Drive, 15 sur 20. Les grossières, ne vous méprenez pas. Mutant League Hockey sur Mega Drive est avant tout un jeu de sport. En effet, ce jeu de hockey va vous demander de faire preuve d'habileté et de malice si vous voulez battre l'équipe adverse. Vous devrez aussi posséder une bonne vue, car le terrain est parfois plutôt fouillis, ce qui est dommage. La note Télévisateur 2 pour Mutant League Hockey sur Mega Drive, 13 sur 20. Après Double Switch et Ground Zero Texas, voici un nouveau jeu sur Mega CD réalisé selon le procédé U-Direct qui permet l'utilisation de scènes filmées. Il se nomme Night Trap. Vous devez ici protéger 5 jeunes filles contre les dangers d'une maison bien mystérieuse. Le résultat nous donne un jeu très simpliste à la violence gratuite. Bref, pas très intéressant, même si on peut saluer l'effort fait par l'éditeur de traduire les dialogues en français. La note, 7 sur 20. Fin de contact. Terrania. Sur Mega Drive, un shoot 'em up d'un genre assez original. En effet, dans chaque tableau, vous avez une mission à exécuter. Pour cela, vous êtes libre de vos déplacements et vous dirigez votre vaisseau grâce à des réacteurs que vous allumez quand vous le voulez. Le maniement est un peu ardu au début, mais on finit par s'y habituer et réaliser de véritables figures de voltige. Subterrania est un jeu passionnant et plus varié qu'il n'y paraît. La note, 18 sur 20. Voici World Cup 94 sur Mega Drive. Il s'agit là du jeu officiel de la Coupe du Monde de football qui se tiendra aux États-Unis cet été. Le jeu en lui-même n'est ni franchement original ni franchement réussi. A noter un véritable déluge d'options style combinaison des attaques et couleur des chaussettes. Test complet lors d'une prochaine émission de Télévisator. Accrochez-vous, Streets of Rage 3 signé Sega est arrivé et va transformer votre chambre ou votre salon en champ de bataille. Heureusement, comme tout se passe sur votre Mega Drive, pas de risque de voir les choses dégénérer. Les deux premiers volets des aventures de nos héros de choc étaient superbes. Ce troisième épisode est encore plus réussi. Choisissez le personnage de votre choix et plongez dans l'action. Premier combat, premier effet sonore. Vous allez comprendre ce qu'est le vrai combat de rue. Entre les claques, la musique techno et les explosions, vos oreilles vont en prendre plein la vue. Enfin, vous m'avez compris. Le nombre de coups possibles est hallucinant. Le nouveau personnage, appelé Zan, réussit des prises assez étonnantes. D'autant plus que vous pourrez exécuter des enchaînements réellement tordus avec votre partenaire. Pour résumer, Sonic pour la vitesse, Mario pour le côté plateforme, Street Fighter 2 pour la baston et Viewpoint pour le shoot 'em up. Tout ça pour faire le beat 'em up de l'année. Il s'appelle Street of Rage 3, Cradabaf et 19 sur 20.